Tout dialogue, toute discussion, toute conversation avec Dieu a un effet transformant pour la personne humaine tout entière. Il n'y a pas de dialogue sans contact. Par le dialogue, le contact devient rencontre. La rencontre, quant à elle, est un échange de dons. C'est comme cela que nous avons terminé notre dernier entretien. Merci de nous accueillir encore une fois chez vous pendant cette retraite, dont j'espère beaucoup qu'elle portera de beaux fruits dans vos âmes, et à cause des fruits portés dans vos âmes, qu'elle rayonnera dans tout notre agir concret, notre agir de tous les jours, notre agir banal, qui, parce qu'il est banal et répétitif, est parfois bien usant, n'est-il pas vrai? Je voudrais, dans cette deuxième partie de notre deuxième entretien, partager avec vous le point de vue du bienheureux Marie-Eugène dans un livre qui publie des conférences de lui et qui s'intitule « Au souffle de l'esprit, prière et action ». Il y a dans ce livre un chapitre intitulé « La prière contemplative parfaite du Christ ». La prière de Jésus, homme-Dieu, en est un des sous-chapitres. C'est dans les pages 206 et suivantes. Et je voudrais que nous puissions lire certains passages de ce texte que je vais exprimer à ma manière et donc sans doute défigurer un peu. Pardon. J'espère que vous aurez l'occasion de prendre le texte lui-même. Je voudrais montrer comment, alors que ces conférences datent d'avant la publication de l'encyclique Ecclesiam Suam, dont nous avons pu découvrir avec joie, je l'espère, quelques éléments de l'enseignement, je voudrais montrer comment le bienheureux Père Marie-Eugène avait saisi tout l'essentiel et le transmettait de façon simple. Lorsque il regarde Jésus dans sa vie terrestre, il s'exprime de la sorte. Ici-bas, le Christ Jésus a fait surtout un exercice d'union. Dans son être profond, le Verbe s'est fait chair. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, alors j'ai dit, voici je viens pour faire ta volonté. Et puis, lorsqu'il prend une humanité, il reçoit dans cette humanité, le Verbe de Dieu reçoit une humanité complète avec une volonté humaine, une liberté humaine qui est d'abord celle d'un tout petit embryon, puis celle d'un enfant nouveau-né, puis celle d'un jeune garçon, puis celle d'un adolescent, puis celle d'un homme qui pendant 30 ans rabote, taille et travaille au milieu des autres, 30 ans de vie cachée, 3 ans de vie publique. Ce qui fait dire à saint Paul qu'il s'est abaissé, prenant la condition de serviteur, c'est le mystère de l'incarnation, devenant semblable aux hommes. À son aspect, reconnu comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 6 et suivant. Et voilà l'exercice d'union. Ce n'est pas d'abord pour lui que Jésus prend ce chemin. C'est pour nous rendre à nous la capacité d'être toujours unis à lui qui est venu s'unir à nous dans ce qui nous éloigne le plus de son Père, à savoir le péché dont la conséquence est la mort. Et quand on parle de mort ici, il ne s'agit pas simplement, si j'ose dire, de la séparation de l'âme et du corps, mais bien plus dramatiquement de la séparation
définitive d'avec Dieu. Alors, le Père Marie-Eugène applique cela à nous-mêmes. Notre vie ici-bas, notre vie chrétienne, même notre vie terrestre. Et ici, il a une formule entre parenthèses en quelque sorte. Ne distinguons pas entre vie chrétienne et vie terrestre ou humaine. C'est une seule vie, nous n'en avons qu'une. Et cela dépend de l'aspect sous lequel on la regarde. Mais l'aspect le plus bénéfique sous lequel nous pouvons la considérer, c'est bien entendu l'aspect de notre appel. Comme dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 26 ou 27, ou peut-être les deux, « Aussi bien, frères, considérez votre appel. » Considérez votre existence dans la dynamique de cet appel. Et alors, notre vie ici-bas, nous aussi, devrait être un exercice d'union comme celle du Christ. Avec une différence, cependant, que le Père Marie-Eugène ne souligne pas ici et que je me permets de rajouter, c'est que, en Jésus, l'union de Dieu et de l'homme est totale, plénière. Et c'est sa réalisation progressive qui progresse tout au long de sa vie terrestre jusqu'à son dernier souffle. En nous, il en est tout autrement. Nous sommes tellement éloignés de Dieu, presque des étrangers à Dieu, alors qu'il veut faire de nous des membres du corps de son Fils, ses enfants dans son Fils. Ainsi, notre exercice d'union se développe d'abord dans la relation, la recherche de Dieu, le contact avec lui, la marche avec lui, la marche en sa présence, qui est, comme nous l'avons vu avec Abraham, notre perfection. Alors notre prière devrait être, dit le Père Marie-Eugène, une prière d'union. Qu'est-ce qu'une prière d'union? C'est un échange simple de regards, le nôtre étant mu par l'Esprit Saint. C'est ce que l'on appelle la contemplation. C'est ce regard de la foi qui est animé non pas d'abord par notre propre force à nous-mêmes qui est instable, qui est hésitante, qui est distraite, mais c'est ce regard de la foi saisi par l'Esprit Saint à travers ses dons, en sorte qu'il nous stabilise dans cette relation très simple, habituellement insensible et donc pour notre psychologie nocturne, en quelque sorte qui pourrait même parfois coïncider avec une sorte de sentiment d'absence de Dieu, pour toutes nos facultés tournées vers l'extérieur, qui ne trouvent plus grand-chose à ce moment-là, j'allais dire à se mettre sous la dent, à grignoter. Notre prière devrait être une prière d'union. Telle est la vérité, tel est notre devoir. Alors, à son époque, dans les années 59, à la fin des années 50, date de la proclamation du don de ces conférences, de cette prise de parole, il y a des courants qui disent que la prière pourrait être présentée comme un accessoire que l'on utilise les jours de fête, ou bien une activité qui est réservée à certaines âmes, certaines personnes qui ont le temps, ou comme on dit, qui en ont la vocation. Vous, vous êtes fait pour prier, nous, on va s'occuper de transformer le monde. Le climat était un peu à cela, à cette époque. Et le Père Marie-Eugène réagit fortement. La prière est l'exercice essentiel de la vocation du chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire, exercice essentiel? Ça veut dire activité qui exprime le mieux ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes des êtres appelés, nous sommes des êtres qui vont vers, et la prière, c'est la réponse à cet appel. Alors, loin de nous de penser que cette prière qui semblerait ne s'occuper que de nous-mêmes serait égoïste,
ou qu'elle nous concentre sur nous-mêmes. Oui, il peut y avoir un danger. Et le père Marie-Eugène parlait parfois de ces personnes qui marchent dans la rue, les yeux clos, en essayant de protéger le cierge éteint de leur contemplation. C'est un peu cruel, évidemment. Mais l'essentiel n'est pas cela. L'essentiel, c'est cette activité qui nous unit à Dieu, en son Fils, dans le Saint-Esprit, et qui fait de nous, non pas simplement des amis de Dieu, mais si nous sommes les amis de Dieu, alors nous faisons ce qu'il nous commande. Et son commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Autrement dit, la prière, fondamentalement, est une union à Dieu. Et ceci est tout sauf accessoire. Parce que, en fait, supposons que ce qu'à Dieu ne plaise, que je vive un siècle, et je pense déjà par avance à ceux et celles qui seraient dans la situation de devoir m'accompagner. Qu'est-ce qu'un siècle devant l'éternité ? Nous avons commencé, nous ne finirons pas. Nous avons été posés dans l'existence, nous existerons toujours. Alors, bien entendu, l'exercice que nous ferons dans le toujours après notre mort, qui ne sera que la séparation de l'âme et du corps avant la résurrection finale, qu'est-ce que nous ferons ? Ben, nous verrons Dieu, nous dialoguerons avec lui, nous travaillerons sous sa direction. Qu'est-ce que nous ferons ? Nous n'en savons rien. Mais il est bien certain qu'un Dieu dynamique comme le nôtre ne saurait nous confiner dans un repos qui serait oisiveté. Nous travaillerons sans être fatigués. Ah, quelle belle chose ! Par conséquent, la prière est une obligation. Elle découle du lien que nous avons avec Dieu. Elle découle du lien que nous avons avec nous-mêmes. Certes, il y a des personnes à qui le Seigneur confie cette vocation de type tout à fait particulier, par exemple les communautés contemplatives qui attestent au milieu de ce monde que le contact avec Dieu suffit, il est vraiment l'essentiel de l'existence humaine. Mais nous ne pouvons pas dire « il y a les carmélites ou il y a les bénédictins qui prient, tout va bien pour moi ». C'est comme si je disais « il y a mes enfants qui respirent, je n'ai pas besoin de respirer ». Je ne le dirai pas longtemps, finalement. La chose serait assez vite tranchée, n'est-ce pas ? Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est, cette prière ? Voici ce que dit le père Marie-Eugène à la page 208. « La grâce que nous recevons au baptême, c'est la vie du Christ qui nous est donnée. » Mais comment nous est-elle donnée ? Par une participation au mystère de sa souffrance et de sa mort. Cette vie divine, en effet, nous est donnée par le Christ qui s'immole, qui s'offre pour nous, par Jésus qui, entre les mains du Père, remet son esprit et qui souffle ce même esprit sur le monde à 15h, un vendredi, en pleine obscurité. Et nous sommes là, nous recueillons ce souffle qui va devenir visible et flamboyant à la Pentecôte. Mais enfin, les deux aspects du don de l'Esprit demeurent bien vivants, bien expressifs dans nos vies concrètes. Nous croyons toujours que pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir la joie, les flammes et tout le reste. C'est possible. Mais tant et tant d'entre nous reçoivent l'Esprit alors qu'il est 15 heures et qu'il fait nuit, et de façon tellement imperceptible et cependant si forte. Alors, cette vie du Christ dans nos âmes, elle a deux mouvements. Un mouvement qui nous porte avec lui à louer le Père du ciel, et un mouvement qui nous porte avec lui à partager le don que nous avons reçu. Cette impulsion de la charité dont parlait Paul VI, la voilà à l'œuvre dans notre existence. Il y a donc comme une communication entre Jésus et nous. Nous entrons en lui
Il entre en nous, nous sommes pris par lui, écrit Marie-Eugène, ou prononce plutôt Marie-Eugène, voilà l'Église. Communication mutuelle, sa vie en nous, notre péché sur lui. Page 209. Il prend notre misère, notre nature humaine, avec tout ce qu'elle est. Certes, il n'a pas pris le péché comme un acte volontaire venant de sa part, mais il en a pris les conséquences, toutes les conséquences. Alors nous-mêmes, nous sommes donc sur un chemin qui consiste à vivre une purification de tout ce qui, dans notre existence, est un obstacle au triomphe de la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos âmes, dans nos comportements, dans notre corps, partout. Autrement dit, il a pris sur lui les conséquences du péché, il a pris nos infirmités, notre misère, comme dit le prophète Isaïe. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Et en le portant, il l'efface. Il le prend sur son dos, il le prend en lui. Belle comparaison de Marie-Eugène qui ne parlera qu'aux plus anciens d'entre nous, j'allais dire avant le stylo bille et le feutre. Nous pourrions dire, pour faire une comparaison qui semble un peu vulgaire, mais, dit-il, qui me paraît très expressive, nous pourrions dire que le Christ, en prenant contact avec nous, fait papier buvard. Nous sommes tachés, nous avons les conséquences du péché. Le Christ est un buvard immaculé qui se pose sur notre nature humaine et nous enlève par conséquent toute notre misère. Page 210. Il a pris nos infirmités. Il les a déjà prises. À nous maintenant de vivre en mettant en œuvre réellement cette vérité. Alors il y a comme deux mouvements qui ne sont pas contraires dans le Christ, mais enfin qui sont antinomiques et qui vont provoquer toute la souffrance de sa passion. Son humanité reçoit les flots de la divinité qu'il est, et de l'autre côté, il y a ce mouvement du péché, des conséquences du péché qui montent en lui, qu'il prend dans sa sensibilité extrême. Il n'est pas de buvard si sensible qui perçoive et efface une tache aussi bien que la sensibilité du Christ perçoit elle-même ce péché. Quelle belle comparaison! Saint Paul n'emploie pas la comparaison du buvard, mais il emploie la comparaison du vêtement. Vous avez revêtu le Christ. Eh bien, ce vêtement que nous avons reçu au jour de notre baptême, qui était un vêtement blanc, il a cette capacité de pomper toutes les conséquences du péché et de nous en libérer. Oh, ces conséquences du péché ne sont pas simplement extérieures comme quelques grains de beauté qu'un petit coup d'azote liquide pourrait supprimer. Oh non, elles sont au plus profond de nos facultés. Et le catéchisme de l'Église catholique, comme vous le savez, fait remarquer que pour que les facultés humaines deviennent des vertus, c'est-à-dire des forces capables de faire le bien, il faut qu'elles soient accrochées aux vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, disons le plus simplement, il faut qu'elles soient plongées dans la rencontre avec Dieu. Alors, on peut faire un petit pas de plus et qui sera comme une sorte de conclusion. La vie chrétienne, dit-il, page 217-218, n'est pas une vie morale seulement, elle ne consiste pas seulement à éviter ceci ou cela. Dis bonjour à la dame, mouche ton nez, ne mets pas tes coudes sur la table.
ça tu ne le feras pas, ça tu ne le feras pas. Non, la vie chrétienne consiste surtout, on pourrait dire même avant tout, à faire du positif. Alors, comparaison, très actuelle. On ne développe pas sa vie en évitant les microbes. On pourrait dire les virus. On développe sa vie par l'exercice des fonctions vitales. Et en nourrissant ses énergies vitales par l'aliment approprié. Nos énergies vitales chrétiennes, c'est la grâce, c'est d'être enfant de Dieu. Et par conséquent, notre vie chrétienne, c'est de faire déjà ici-bas, d'une façon imparfaite avec la foi, mais d'une façon réelle, notre fonction d'enfant de Dieu. Comme il serait bon que pendant cette retraite, nous repositionnions, oula, c'est compliqué, nos diverses priorités. Bien sûr, nous avons des défauts, et notre conjoint, notre conjointe, nos proches, nos enfants, nos parents le voient, mes confrères le savent. Et comment ? Et encore, ils ne savent peut-être pas tout. Et nous pouvons passer une bonne partie de notre énergie à lutter contre tout cela. Mais on ne fait pas une vie chrétienne en luttant contre cela. On fait une vie chrétienne avec du positif, en s'accrochant davantage à Dieu. Je regardais l'autre soir une séquence vidéo d'alpinisme, de VARAP. Et j'étais émerveillé parce que je voyais bien que l'alpiniste, pour se détacher un pied, il fallait qu'il commence par accrocher sa main. Et lorsqu'il avait des moments de fatigue, il se bloquait et il attendait d'avoir retrouvé des forces. On ne se détache pas sans s'attacher. Vous voyez, on ne lâche pas prise. On court pour tâcher de saisir celui qui nous a saisis. Et dans ce mouvement, les prises pourries lâchent d'elles-mêmes. Notre vie, nos énergies vitales chrétiennes, c'est la grâce, et nous allons de l'avant. Et c'est quoi la fonction de l'enfant de Dieu ? Eh bien, c'est d'être uni à Dieu, de vivre en étant animé, mais véritablement par le souffle de l'Esprit Saint. C'est cela notre fonction principale. Et je vous cite ce court passage de ce livre, et je prends à mon compte ces paroles de Marie-Eugène qui dit ceci. Permettez-moi d'insister. À notre époque, même les bons chrétiens sont parfois un peu trop orientés vers des fonctions qui sont importantes, mais secondaires. Souvent, quand il m'arrive de rencontrer des confrères prêtres pour cheminer avec eux au cours de retraites sacerdotales, j'aime bien que nous nous rappelions, nous prêtres, que si nous avons entendu l'appel à devenir prêtres, c'était avec des oreilles de baptisés et non pas des oreilles de prêtres, puisque nous ne l'étions pas. La fonction presbytérale repose tout entière, pour son accomplissement, sur le dynamisme, sur la dynamique de la grâce baptismale qui fait de nous des enfants de Dieu, des brebis au milieu du troupeau et bien souvent des brebis perdues que le pasteur porte sur ses épaules. On croit parfois que l'exercice de la charité, c'est surtout l'exercice de la charité sociale, dit Marie-Eugène. Je pourrais ajouter l'exercice de la charité familiale, l'exercice de la charité pastorale. Ce n'est pas vrai. C'est une fausse interprétation de l'Évangile de penser qu'être chrétien, c'est surtout faire des actes de charité. Social, pastoral, familial, tout ce que l'on veut, professionnel, tout ce que l'on veut, communautaire. La charité, c'est celle qui nous unit à Dieu. Quand notre Seigneur nous demande de l'exercer à l'égard du prochain, c'est en voyant dans ce prochain la présence de Dieu, en allant vers ce prochain avec le désir de prolonger l'action de Dieu, l'action de Jésus.
en exerçant cette charité pour aider cette personne à vivre les opérations essentielles de sa vie d'homme, qui sont les opérations de l'enfant de Dieu, qui le fait entrer dans la vie de la Trinité Sainte. Le Père aime le Fils aime le Père connaît le Fils connaît le Père. De cette connaissance et de cet amour qui sont dans un éternel échange, jaillit le souffle que tous les deux soufflent en même temps, chacun selon ce qu'il est. Et c'est l'Esprit Saint qui est à la fois vérité, amour et don. Ainsi, notre charité trouve ici le sens de son apostolat. Aider les personnes à marcher non pas simplement vers la fidélité à la messe du dimanche, mais aider cette personne à prendre le chemin qui va dans la Trinité Sainte. Rien de moins. Et d'ailleurs, à la messe du dimanche, lorsque nous recevons le Christ ressuscité dans la communion sacramentelle, où nous entraîne-t-il, sinon là où il est? Et où est-il en ce moment, sinon dans la Trinité Sainte avec son humanité ressuscitée? Et que fait-il en ce moment? Il étend les mains pour nous protéger, dit du bien de nous à son Père, du bien de son Père à nous, du bien des autres à nous, des biens à nous, il dit du bien des autres pour que nous puissions vivre dans la bonté. Il n'y a pas d'autre source de la bonté que l'échange de la vie trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceci, et je termine par là, n'est pas réservé à quelques spécialistes qui ont le temps. C'est notre vie, c'est une vérité chrétienne, la vérité chrétienne. C'est notre vie familiale, les mots sont de Marie-Eugène, notre vie intime, c'est notre vie tout simplement chrétienne.